Moi aussi, j'aime bien défendre notre drapeau national. Smith pour De Grace qui bouge très fort. Il se retrouve tantôt sur le flanc gauche, tantôt sur le flanc droit. Marc De Grace, il travaille beaucoup. Et il a commis une faute ici dans sa précipitation. Je crois que vous voyez là, c'est Chelimesh, joueur de Dynamo. Tête de Smith. Bon contrôle de la poitrine de Frankie van der Elst, qui a tout le champ libre là devant lui. Il attend un soutien. Une balle glissée dans les pieds de Stalens. Elle revient maintenant dans ceux de Medved. Medved qui attend un soutien, il attend de l'aide. Voilà, Frankie van der Elst, c'est là qui va ouvrir sur le flanc gauche, c'est parfait. Rudy Smith, il a tout le temps, tout le loisir de centrer là en direction de Stalens. Le ballon revient chez nous. Philippe Albert. En retrait pour Georges Grün, qui relance le ballon dans les parages du rectangle. Alex qui a été arrêté dans son élan. Ah, mais je ne comprends pas la réaction de M. Perretto. Et oui, oui, il y avait un coup franc. Ton idée, monsieur Perretto. Pauvre Alex. Hadji. Il ne s'est pas encore montré, heureusement, mais croyez-moi, ses coups de patte sont redoutables. Les deux meilleurs joueurs sur le terrain, sans doute. Depuis talentueux, en tous les cas. Enzo Schifo est devant lui, Hadji. Ah, Medved a trop porté le ballon. Voilà, Hadji. Hadji pour Dumitrescu. Dumitrescu encore. Et le ballon sort en coup de coin. C'est le troisième coup de coin pour les Roumains, alors que nous n'en avons bénéficié que d'un seul. Michel Prudhomme organise sa défense. Et le coup de coin va être botté par Dumitrescu. Hadji en retrait, oui, pour Chelimesh. Centre de Chelimesh au deuxième poteau. Une tête, Michel Prudhomme, sans problème. Et dégagement de Michel, comme il le fait à Malines. Directement vers Tchernia. Le ballon redevient roumain. Avec Hadji. Vous avez vu ce contrôle d'Hadji. Voilà Hadji. Enzo Schifo lui a pris le ballon. Tchernia maintenant. Vas-y Alex. Oui, un appel sur la droite de Stalens. On joue bien, on joue bien. Centre de Stalens vers Boffin qui est tout seul. Ah non, il y avait une tête. La tête de Petrescu qui était là. Enzo Schifo. Schifo qui a Munteanu devant lui. Donnant retrait pour Georges Grün. Oui, le ballon circule bien chez nous. Boffin, on joue bien, on joue bien. Stalens avec... avec Belodedici et un coup de coin forcé par Smith. Deuxième coup de coin pour les Belges. Coup de coin que va botter Marc De Grace. On joue depuis 21 minutes, toujours 0-0. Balle qui va rentrer. Voilà. La tête, oui, la tête d'Albert. Oh, une occasion là pour Georges Grün. Il n'y a pas pu maîtriser le ballon, c'est dommage. Il y avait une tête de Philippe Albert. Le ballon est arrivé dans les pieds de Georges Grün. Nous allons le revoir. Ah, quel dommage. La tête du grand Philippe. Georges Grün, là, il voit le ballon qui touche sa jambière. Ah, quel dommage. Vous voyez que Georges Grün, tout en étant libéraux, et bien comme tous les libéraux modernes, nous revoyons encore une fois l'action, et bien il n'hésite pas à monter. Je crois qu'il ne s'attendait pas à recevoir le ballon, hein, Georges Grün. Il n'hésite pas à monter, et surtout, comme il l'a toujours fait, souvenez-vous de ce but de la tête qui nous avait qualifié pour la Coupe du Monde, ce but de la tête de Georges Grün contre les Hollandais. On en a bien besoin de Georges Grün lorsque les choses se présentent devant lui. Ah, mais ça va. Ne nous montrons pas trop exigeants, c'est toujours 0-0. On joue depuis 22 minutes et on tient le nul. Remarquez qu'avec un nul, on signe hein, quand même. Remise en jeu pour les Belges. Allons les dire. Longue balle qui est remise, c'est bien joué, c'est bien. Match très correct jusqu'à présent. Et dégagement pour Stelia. Stelia pour Hadji. Ah, sur Hadji, ne fait pas confiance. Hein. Joueur instinctif, technique au repère,
dribbleur déroutant. Il n'a pas réussi quand il est allé au Real. Il est vrai qu'il n'a pas eu de chance, il a été blessé. Mais il a retrouvé tout son tonus, toute sa verve à Brescia, où il joue maintenant. Et croyez-moi, le voilà, il a soif de revanche et il veut se rappeler au souvenir de ses compatriotes en brillant dans l'équipe nationale. Et il le fait souvent. Perte de balle de Bello Dedici, ça ne lui arrive pas souvent. Tête de Medved. Enzo Schifo qui a poussé son adversaire dans le dos, c'est juste. J'ai parlé à Enzo Schifo, croyez-moi, il est sérieusement motivé. Il a envie de faire un grand match. La Catouche. Faute de la Catouche. Smits. Attention, Michel ne prend pas la balle. Oh, on connaît son règlement, heureusement. C'était une passe en retrait faite du pied. Imaginez s'il avait repris le ballon des mains. Enfin, heureusement, l'arbitre n'est pas M. Moïse. Smith à la remise en jeu. Il tient bien sa place, Smith. Il avait livré un très bon match, souvenez-vous, à Prague. Hadji, pas vite, hein, je vous l'avais dit. Oui, excellent service d'Hadji pour Lupescu. Attention au tir de loin de Lupescu. Lupescu en Dumitrescu, tir de Dumitrescu au-dessus du but de Michel Preud'homme. Très dangereux ce tir de Dumitrescu, le joueur de Steaua. Il n'a que 23 ans. Mais beaucoup d'assurance, comme vous voyez. Il a armé son tir du droit, son pied favori. Tir que nous revoyons au-dessus du but de notre Michel National. Et nous revoici avec Dumitrescu encore. Remise en jeu pour la Belgique. Dumitrescu, très actif et très bon technicien. Hein. Ce sont des Latins. Manie le ballon avec beaucoup de dextérité, beaucoup de présence aussi dans le jeu. Excellente technique, une bonne condition physique. Ce sont d'excellents footballeurs, ces Roumains. Oui, Rudy Smith qui s'infiltre. Smith encore. Son mauvais pied tiré, c'est but. Non. Oui, but, 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 but. Goal inscrit par Rudy Smith. Et du pied droit en plus. Formidable but. Alors que l'on joue depuis 25 minutes, un magnifique but inscrit par Rudy Smith. Oh, que c'est beau! C'est merveilleux, on ne s'y attendait pas. Smith qui s'affile, il va mettre le ballon sur son pied droit. Il est en train de mystifier les défenseurs roumains. Un tir brossé et le gardien a battu le ballon au fond des filets. J'ai cru à un moment donné que le ballon passait à côté. Il n'en est rien. Et revoyons pour le plaisir des yeux ce but inscrit par Rudy Smith. Il marque, oui, 1-0 pour la Belgique. On joue depuis 25 minutes, c'est merveilleux. Oh, il doit être heureux, hein, Smith. Je vous le disais tout à l'heure, c'est son deuxième match sous le maillot des Diables Rouges. 29 ans. Et évidemment son premier but à l'actif de la Belgique. Ah. Sale coup pour le moral des Roumains. Sans que la drape. Je les aime bien. Enfin, il y a des limites. Sabot. Sabot pour Munteanu. Hadji. Très bien contré jusqu'à présent, voyez. Oh, un petit pont. La maîtresse l'avantage, il allait siffler une faute. Sabot. Sabot toujours. Sabot s'est bien joué dans la foulée de Lacatouche. Lacatouche serrée de très près par Philippe Albert. Centre de Lacatouche au deuxième poteau. Attention à Dumitrescu, à côté du but de Michel Preud'homme. Très calme, Michel. Oui, avec désinvolture même.
Nous allons revoir le centre de la cartouche au deuxième poteau. Et la tête à côté du. D'où Mitrichkou, dangereux, hein, dangereux. C'est lui qui remplace Balint. Tiania. Interno pour Belodedici. Belodedici à Petrescu. Petrescu qui s'en va balle au pied. Il remonte tout le terrain. Il faut l'attaquer. Un centre contré par Rudy Smith qui est sur des nuages, lui, vous pensez bien. Réaction des Belges en contre-attaque. C'est comme ça que nous sommes les plus forts. De Grèze. Et tant mieux ce but, hein, parce que. Il va obliger les Roumains à se dégarnir, à attaquer pour tenter d'égaliser. Et vous savez que c'est en contre que nous sommes les meilleurs. Hein. Je pense que dans le genre, nous sommes à peu près champions du monde. C'est comme ça que les Diables Rouges ont réussi les meilleurs résultats, en tous les cas. Un ballon vers Enzo Schifo, prolongé vers le gardien, devant Tchernia. Dégagement pour Stelea. Philippe Albert, sans fioriture, le grand Philippe. Belodedici. On a le match en main pour le moment. Dégagement de Prud'homme. Et ce qui est important, c'est qu'on ne subit pas la pression. Il n'y a aucune pression de la part des Roumains, bien sûr. Ils se sont montrés quelque peu dangereux, encore qu'il n'y ait eu en réalité aucun tir cadré, dangereux. Mais vous voyez comment ce ballon circule bien chez nous. Remarquablement organisé, une fois de plus, l'équipe des Diables Rouges, l'équipe du Popol. Oui, perte de balle de Schmitz. Aussitôt réparé par Boffin. Beaucoup de collectivité chez les Diables Rouges. On sent qu'il y a une bonne ambiance. Vous voyez, il y a eu une petite erreur là de Smith, réparée aussitôt par Boffin. On soutient le coéquipier lorsqu'il est dans une position difficile. Et ça se remarque en dehors du terrain, parce que je les connais bien pour avoir vécu de longues heures avec eux. Bonne ambiance en dehors du terrain, et qui se reflète bien sûr sur la pelouse. Oui, bonne intervention Philippe Albert. Frankie van der Elst maintenant. Oui, tout nous réussit. Parce que nous sommes bons. Excellente ouverture vers Boffin qui curieusement se retrouve sur la droite là. Ah, on aura tout vu. Boffin en retrait pour Medved. Est-ce que Medved va tenter sa chance? Non, il peut faire donner à Frankie van der Elst un appel sur la droite de Georges Grün qui prolonge maintenant pour Boffin. Il n'y en a plus que pour nous. Centre de Boffin. Le ballon repoussé par les défenseurs. Dumitrescu. Frankie van der Elst qui met le pied devant Sabot. Restons maîtres de la situation. Rudy Smith. Et vous entendez les applaudissements qui fusent de partout. Tchernia. Contre-attaque. Elle est menée par Petrescu. Suite à cette perte de balle d'Alex. Petrescu qui s'infiltre. Arrêté correctement. Oh, c'était bien joué par Georges Grün. Et nous repartons en contre-attaque à nouveau. Nous vivons un quart d'heure de rêve. Hein. Medved, c'est bien joué vers Marc de Grèze. Marc de Grèze, petit tourniquet. Marc de Grèze encore en retrait. Medved qui tente sa chance, croque son tir. Le ballon nous revient. Non, est repris maintenant par Munteanu. La cartouche. Dumitrescu. Joue très court là chez les Roumains. Pour le moment, je crois qu'on panique un peu. Je demande ce qui leur arrive, les Roumains. Et ça repart. Boffin. Centre de Boffin. Contrôle de Grèze un peu trop long. Philippe Albert. Boffin, Albert. Nous avons tous les contres pour nous. Tir de Philippe Albert à côté du but. Mais que nous jouons bien, je le répète, mais je ne peux pas vous dire le contraire. Hein. On m'a encore dit que je suis chauvin, mais croyez-moi, ça va.
Nous voyons le tir de Philippe. Coup de pied de but. Tête de Medved sur Alex. Alex dans son style bien particulier. Bien joué, Alex. À De Greys. De Greys temporise. Attend le Enzo Schifo qui est là maintenant. Enzo pour Frankie van der Elst. Frankie van der Elst qui aère le jeu sur le flanc gauche. Il va pouvoir centrer maintenant après avoir évité Sabot. C'est ce qu'on espère. Francky toujours attend un soutien, attend de l'aide. Voilà, il a vu Boffin, crochet de Boffin, Boffin encore. Boffin, centre de Boffin, pour personne, mais c'était bien joué.